8 secondes. Moi, je crois, Denis, on met la pédale au fond et on ralentit pas. Alors, aucun pilote n'a devancé. On était même un peu en retard. C'est Kalishin qui se lance en avant. Dans le premier virage, suivi de Paul Hewitt et de Jonathan Abbott. Et Kagi a manqué son départ. Il est complètement à l'arrière. Donc, c'est le 77 de Kalishin pourchassé par Paul Hewitt. Et on a vu ce scénario-là à Valleyfield à quelques reprises. Kalishin qui prenait les devants et Hewitt qui faisait une remontée. Hewitt est très rapide en ligne droite et il est très surprenant. Donc, c'est une course qui n'est pas terminée. Alors là, c'est serré pour la troisième entre Jonathan Abbott, Dave Kidd et Paul Barber qui sont les trois dans le virage côte à côte pour la troisième place. Alors, Kelly qui semble maintenir son avance sur Paul Barber. Et là, c'est Dave Kidd et Paul Barber là, qui devant Jonathan Abbott pour la troisième. Alors qu'on voit que Hewitt se rapproche de Kelly Shane. C'est pas fini, Denis. C'est pas fini, Paul Hewitt. Très rapide en ligne droite. Et on a vu un scénario invraisemblable avec les filles où Paul Hewitt, son directeur de communication a fait une erreur. Il lui a dit que la course était complétée après 4 tours. Il est rentré au puits et il est ressorti plus tard après avoir fait toute une remontée. Et là, je suis convaincu qu'il ne fera pas la même erreur. Il va faire ses 5 tours et là, il continue de pourchasser Kelly Shane pour la première place. Donc, Patrick, l'embarcation de Kelly semble être un peu plus stable que le Anderson de Paul Hewitt. Tout à fait, Denis. Kelly conduit une belle course. Elle protège son intérieur. L'objectif numéro un quand on est en première position comme ça, c'est de protéger son intérieur pour pas qu'un pilote se faufile à l'intérieur. Donc, le chemin le plus court est toujours l'intérieur, Denis. Hewitt semblait se rapprocher et là, depuis un tour, l'écart est pas mal le même entre Kelly Shane et Paul Hewitt. Alors que Valleyfield, on avait vu Hewitt remonter d'une façon spectaculaire. Et là, Kelly qui tient bon en première place. Mais c'est pas fini. On complète un troisième tour. Alors, belle course entre le Team Shane de Kelly Shane et le Hewitt Motorsports de Paul Hewitt. Alors que pour la troisième, je crois que c'est Dave Kidd qui est troisième. Alors que Jonathan Abbott, lui, se bat pour la quatrième avec Paul Barber. Et là, il semble que Hewitt se rapproche un peu. Et c'est pas fini, Denis. Kelly devra protéger son intérieur, mais aussi sortir son concurrent à la limite. Donc, je crois qu'on a le droit de sortir nos concurrents de une largeur, pas plus. Donc, elle devra protéger son intérieur, mais le sortir. Hewitt s'approche avec un tour à faire. Surveillez ce dernier tour de piste. Hewitt n'a pas dit son dernier mot. Et ça, c'est de la classe 5 litres à son meilleur. Oh là, il semble avoir un problème pour Dave Kidd qui a failli manquer le bouée. A ralenti. Alors, ça se poursuit. Hewitt qui se rapproche encore un peu. Est-ce qu'il aura suffisamment de temps avec un demi-parcours à faire pour attraper Kelly Shane? Ce sera difficile. Alors que Kidd est troisième, Barber et Abbott descendent de cinquième place. Et là, ça va se décider, Denis. Dernier virage, Kelly Shane. Oh là, Hewitt qui a frappé la queue d'eau de Shane. Je pense que c'est terminé pour la première place. Il devra se contenter de la deuxième, mais quand même, il a livré toute une bataille. Victoire de Kelly Shane. Deuxième, Paul Hewitt. Alors, ce sera serré pour la troisième entre les deux nouveaux venus de cette année, Dave Kidd et Paul Barber. Paul Barber semble très rapide de l'extérieur et rattrape Dave. Oh! Ce sera serré pour la troisième. Est-ce que Paul Barber, à sa première course dans ce bateau, va réussir à devancer Dave Kidd? Je crois que oui! À peine une demi-longueur de bateau, Paul Barber, belle performance, finit troisième, Dave Kidd quatrième et
une déception là, pour Jonathan Abbott qui avait très bien fonctionné depuis le début de la saison. Là, doit se contenter de la cinquième. Est-ce qu'il y a eu un problème mécanique quelconque? Et Stéphane Carrier qui finit sixième. Alors, ça. Très belle course de Paul Barber pour sa première fois. Je suis impressionné. Et il n'a pas froid aux yeux. Alors, il y avait seulement 6 bateaux dans cette qualification, mais une des meilleures qu'on a vues aujourd'hui.